Cette vidéo va vous montrer comment remplacer l'électrovanne de votre machine à laver. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir bien débranché la prise secteur. Vous commencez par débrancher l'arrivée d'eau. Ensuite, vous allez démonter le top. Pour cela, vous retirez les deux vis. Une fois que vous avez retiré les deux vis, il vous suffit de tirer le top, il se déboîte immédiatement. L'électrovanne se situe ici. Vous devez avant tout prendre une photo afin de repérer et la connectique et l'emplacement des tuyaux. Vous avez un tuyau sur ce modèle qui va au tambour, deux tuyaux qui vont au bac à lessive. Vous pouvez avoir une électrovanne simple, double, triple, jusqu'à 6 électrovannes en une seule. Nous allons démonter les deux vis qui maintiennent l'électrovanne. Ensuite, nous allons prendre une pince multiprise pour retirer les tuyaux. On retire la connectique. Puis vous pincez les deux extrémités du collier, vous dégagez le collier à répéter sur les deux autres tuyaux, vous tirez légèrement en tournant le tuyau. Votre électrovanne est maintenant démontée. Vous prenez l'électrovanne neuve. Vous la comparez éventuellement avec l'ancienne électrovanne. Vous reconnectez les tuyaux. Ne pas inverser les tuyaux, ni la connectique. Vous replacez les colliers à l'endroit où ils étaient précédemment. Vous remettez la connectique. Vous replacez l'extrémité dans le trou. Vous remettez les deux vis. Ensuite, on y remet le top. Vous vérifiez le sens du top. Les pattes de fixation sont à l'arrière. Vous le posez. Vous le poussez. Et vous remettez les deux vis. Votre électrovanne est désormais remplacée.